Identité contemporaine de la Côte d'Ivoire, la première exposition de la Fondation BJKD, organisée à Paris, en partenariat avec l'ambassade de Côte d'Ivoire l'UNESCO et le 24 Beaubourg a ouvert officiellement ce mercredi 8 juin lors de son vernissage marqué par la présence d'invités de marque. La première exposition d'art contemporain de la Fondation BJKD, 200 convives se sont retrouvés au 24 rue Beaubourg, lieu emblématique de l'art à Paris pour célébrer et découvrir ces artistes contemporains, quintessence de l'art ivoirien aujourd'hui que sont Aboudia, Jacob Leu, Armand Bois, Peintre Obou, Alberto, Jean Servet Somian, La Falaise Dion et David Josué. L'art et la culture sont des leviers de rassemblement et de valorisation d'un pays à l'international. Le ministre Conan Kouadio-Bertin a félicité la Fondation BJKD pour son initiative, son soutien au rayonnement de l'art ivoirien à l'international et les artistes pour la qualité des œuvres exposées. Son Excellence Monsieur Maurice Bandaman a également renchéri en affirmant que « l'art et la culture sont des leviers de rassemblement et de valorisation d'un pays à l'international ». Le succès de ce vernissage témoigne de la qualité et de l'attractivité que représentent aujourd'hui des artistes présentés. L'intervention du ministre Conan Kouadio-Bertin ravi de découvrir des artistes et des œuvres que l'on n'a pas l'habitude de voir à Paris, les collectionneurs et les visiteurs ont encouragé la Fondation BJKD à faire de cet événement une rencontre annuelle permettant de faire découvrir davantage de nouveaux artistes. Le succès de ce vernissage témoigne de la qualité et de l'attractivité que représentent aujourd'hui des artistes présentés. Les artistes ont quant à eux salué la mise en valeur de leurs œuvres dans ce lieu unique à Paris et l'accueil très favorable que leur a réservé le public venu en grand nombre. Lire aussi Côte d'Ivoire/Culture, 9 artistes peintres exposa, pièce unique, ce jeudi à Abidjan. Il faut noter que l'exposition est encore visible jusqu'au 12 juin au 24 rue Beaubourg, 75003, Paris, de 13h à 19h. Par ailleurs, il faut souligner que parmi les invités, nous avons noté la présence remarquable de Monsieur Conan Kouadio-Bertin, ministre de la Cohésion nationale de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Maurice Bandaman, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, Son Excellence Madame Liliane Massala, ambassadrice du Congo à Paris, Denise Epoté, directrice de TV5 Monde, Anne-Marie Sargueil, lire aussi l'art contemporain ivoirien s'installe au 24 Beaubourg, à Paris. Présidente de l'Institut français du design, André Magnin, expert de l'art contemporain africain à Paris, des journalistes, des galeristes, des artistes et des amateurs d'art à la recherche de talents nouveaux ou d'artistes dont la cote dépasse déjà des centaines de milliers d'euros.